ces jeunes filles-là qui deviennent souvent très impolies quand leurs hommes n'ont pas d'argent. Ce message vous est adressé. Ce message est un peu un type de conscientisation qui doit vous pousser à la réflexion avant de dire certaines choses à son gars, son petit ami, à son mari. Et puis, j'espère que ces filles-là qui vont se reconnaître dans cette vidéo pourront changer d'avis et pourront être beaucoup plus compréhensibles vis-à-vis de ces hommes-là qui travaillent au quotidien, qui font l'effort pour faire sourire leurs femmes, alors qu'au fond, et ils ont des situations que certaines filles s'en foutent carrément. Et à la fin, dites ce que vous avez pensé de cette vidéo. Bon visionnage. Très souvent, nos copines n'ont pas encore compris qu'on ne fait pas exprès de ne pas réussir. On ne fait pas exprès de rester en retard ou en arrière. On a réellement envie de réussir. On a réellement envie d'arriver au sommet. On est plus pressé que vous. La période de galère, c'est très sensible pour nous, très difficile, très compliqué. Alors apprenez à nous comprendre. Apprenez à nous comprendre. Vous sortez très souvent des paroles blessantes. Vous sortez très souvent des paroles difficiles, des paroles compliquées. Vous déchirez le cœur de vos hommes. Vous brisez vos hommes. Vous êtes en train de détruire vos hommes avec vos paroles bizarres. Depuis on est ensemble, ça ne va pas. Très bien. Ah, toi, tu es quel genre d'homme? Regarde tes amis qui sont en train d'avancer. Regarde tes frères là. Toi, tu es toujours en arrière. Tu là, ça n'avance pas. Moi, je veux partir. Hein. Moi, je ne veux pas rester dans ça pendant longtemps. Hein. Bon, je te donne au moins 2 mois, 3 mois. Un info réussi. Si ça ne va pas, je m'en vais. C'est comme ça que tu parles à ton homme. Alors que toi-même, là, tu n'as rien. Tes parents n'ont rien. Tu as des défauts. Tu es bizarre. Tu es impoli. Tu es infidèle. Mais ton chéri te comprend. T'accepte. Mais lui, à son tour, là, tu lui sors des paroles blessantes. Alors qu'en réalité, la personne qui doit soutenir son chéri, la personne qui doit lui remonter le moral, c'est toi la femme. Très souvent, les femmes qui sont en train de se plaindre ici, ouais, ça va chez mon chéri, il m'a laissé tomber. Aujourd'hui, ça va chez lui, il m'a oublié, on a galéré ensemble. Pendant la période de galère, il y a beaucoup de femmes qui sont très impolies, très insoumises, très désagréables. Quand la femme est en position de force, de la manière très souvent, elle humilie l'homme, elle maltraite l'homme, elle diminue l'homme. Non, on ne peut pas expliquer. Quand vous nous demandez si ça va, et puis on vous répond ça va, très souvent ça ne va pas. Derrière chaque sourire d'un homme se cache une peine. C'est parce qu'aujourd'hui, l'homme ne peut pas toujours venir dire que ça ne va pas. Toujours venir pleurer, expliquer ses problèmes. Parce que quand l'homme explique ses problèmes, quand l'homme se plaint, personne n'écoute parce qu'on est homme. Personne ne compatit. On est homme, on doit tout supporter. Très souvent, vous déchirez le cœur de vos hommes. Vous brisez le cœur de vos hommes avec vos paroles, les comparaisons bizarres. Quand tu regardes le visage de ton chéri et que tu lui dis « Si ça ne change pas, moi je vais partir. Hein. Depuis on est ensemble là, tu ne peux pas réussir. Moi ça me fatigue, je suis fatigué. » Quand tu lui dis ça, tu ne sais pas quelle épine tu mets dans son cœur. Tu ne sais même pas quel couteau tu prends pour poignarder dans son cœur. Tu ne sais même pas. Il ressent ça fort. Il ressent dans son âme.